Bonjour à tous, ici Karyong61, voici une nouvelle vidéo d'un jeu Xbox One, Forza 5, un très bon jeu de voiture, nous allons commencer, nous allons faire une petite session vite fait de course, et donc voilà, vous allez voir ce que ça donne. Alors, nous allons faire... Nous allons faire une carrière. Voilà. Alors, c'est une petite voiture. Personnalisée, bien sûr. Donc voilà, choix de la catégorie. Continuer la carrière, championnat. Nous retrouvons le 12R du comté de Monterey, en Californie, pour une nouvelle course sur le Mazda Raceway Laguna Seca. Alors pour ceux, je ne sais pas, ceux qui connaissent un peu Forza, c'est vraiment de... C'est pas de l'arcade, hein. C'est vraiment du... Quand on joue, c'est vraiment... Voilà, quoi. On sent vraiment la voiture quand on joue, quoi. avec ce nouveau système de... Avec l'Xbox One, en fait, ils ont appelé ça des avatars, en fait. Maintenant on joue plus contre l'ordinateur, en fait. Maintenant ce sont vraiment des joueurs. Nous jouons contre des joueurs, mais en fait la console enregistre leur partie. Et en fait elle se base après par rapport à nos données à nous. Et donc ils sont à peu près du même niveau que nous. Et je vous dis tout de suite, hein, je suis pas non plus super fort, hein, ça. je suis pas spécialiste dans les jeux de voiture. Mais ce qui est pas mal avec ce système là, c'est que on peut vraiment voir les gens partir en cacahuète, quoi. Et même en sucette. mais il y a un désavantage, c'est qu'il peut y avoir des mecs super balèzes. Et en fait, pour l'instant, les courses que j'ai fait, que j'ai pu faire, j'ai pas réussi à terminer premier. Je sais même pas si j'ai réussi à terminer troisième ou quatrième. Enfin bref, c'est pas l'ordinateur, quoi. On joue vraiment contre des mecs et c'est vraiment tendu, mais bon, c'est très sympa, je trouve. Donc je vous montre l'intérieur un peu vite fait, hein, qui est vraiment très réaliste. Hop. Je suis pas très fort avec cette vue là. Mais ça vous donne un peu l'image de à quoi ça donne dans la voiture.
Donc bah moi je joue en automatique hein. En manuel, j'ai vraiment du mal en manuel. Ah, tu vas me lâcher, toi? Voilà, on va dire que je vais mettre ça là. Voilà. Je ralentis. On va dire que je vais un peu... Voilà. Tac, je repars. Alors comme vous pouvez voir, je me suis planté, donc un petit retour en arrière, mais c'est pas illimité, hein. Et on perd un petit peu de points quand on l'utilise. Voilà, on va dire jusque là. Bon, bah j'ai pas, c'est pas mieux, mais bon, on va dire que j'ai moins de dégâts. Au fur et à mesure des courses, bah, on peut améliorer sa voiture, on peut la passer en classe, mais par contre, on peut pas l'utiliser dans les toutes premières courses qu'on a faites. On peut pas utiliser la voiture qu'on a améliorée, ou sinon, il faut la rétrograder en fait, et là, on pourra l'utiliser. Sinon, ça serait trop simple. Quand vous ne jouez pas au jeu, vous êtes, je sais pas, moi, au travail ou un truc comme ça, en fait, le jeu joue à votre place. C'est l'avatar, comme je vous ai dit tout à l'heure. En fait, quand vous vous reconnectez, quand vous rejouez au jeu, en fait, vous avez des, vous gagnez des trucs, de l'expérience, de l'argent dans le jeu. Et c'est des petits trucs qui sont sympas, je trouve. Et les gens peuvent jouer avec vous, ils voient votre nom, ils se disent, mais... Enfin, ça peut très bien être vos amis, en fait. Ils se disent, mais il est pas... je sais pas, il est pas au boulot ou un truc comme ça. Et en fait, non, votre pote joue contre votre avatar. Votre avatar, et donc, voilà, je trouve ça assez sympa. Ça peut être une sorte de compétition entre potes, tout ça. Et donc, ça pourrait être très sympa. Ça pourrait être très sympa. Je sais pas s'ils vont faire que ça sur ce jeu-là.
Mais imaginons sur les prochains jeux, je sais pas, FPS, tout ça, jeux en multi, tout ça. Imaginez que vous vous êtes au boulot et que votre avatar joue, je sais pas moi, à Battlefield ou truc comme ça, et en fait il joue à votre place. Ça pourrait faire un truc, ça pourrait être un truc sympa. Faudrait voir. Après, faut voir si il y a un mec qui est très 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 bon, et ben là on peut se dire on est dans la merde. Donc, je sais pas, peut-être que ça peut être style, ils peuvent penser à, on va regarder la vidéo du replay pour que vous voyez à quoi ça ressemble, le replay. Et donc, ouais, donc je pensais, enfin, je me disais, est-ce que Microsoft ont pas eu la bonne idée de, en fait, le fait de mettre ce genre de truc, il y aurait toujours des gens sur l'Xbox Live en fait. Parce que des fois, il y a peut-être, il y a certains jeux où il n'y a pas beaucoup de monde. Et ben là, en fait, il y aurait toujours du monde en fait sur le jeu. Il y aurait toujours du monde. Et imaginons, je sais pas moi, là, Forza 5. Imaginons sur le 6. Le 6 il sort. Le 6 il sort. Ça veut dire qu'il y aura toujours les avatars du 5. Il y aura toujours les avatars du 5. Et donc, en fait, il y aurait les gens qui n'auront pas eu la possibilité d'acheter le 6 auront toujours du monde sur le 5. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais enfin, je sais pas. Je trouve que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Toujours, toujours, toujours du monde sur le live, pas de perte de. Après, ça serait peut-être. Enfin, après, je dis, ça serait toujours les mêmes, mais après, il y a énormément de monde sur le live. Hein. Mais ça peut être sympa. Toujours du monde sur le jeu. Pas de serveur vide. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. Donc, comme vous pouvez voir, bah. Le replay est très très beau, hein. Y a rien à dire. C'est quand même très beau, hein. Et les dégâts sur les voitures sont vraiment vraiment bien faits. Moi qui ai joué au 4 sur la Xbox 360, les dégâts sont des voitures et tout. Franchement, ils sont vraiment très beaux. Comment dire, les carrosseries sont vraiment froissées. On voit vraiment qu'ils sont froissés. C'est pas rayé. Regardez là, vous pouvez voir un peu vite fait dans le virage. Bon là, je l'ai pas trop trop abîmé ma voiture, mais des fois, il y a certaines courses. On voit vraiment les impacts à tel endroit en fait. Quand il y a eu un impact. C'est vraiment cet endroit-là qui a subi dans la course. Et donc, non, franchement, il est vraiment très très beau. Nous allons faire une autre petite course, vite fait, hein. Je ne sais pas trop encore sur laquelle. Donc on va voir ça tout de suite. Alors nous allons partir en Belgique. Nous retournons en Belgique Voilà, pour la dame a le une dit. épreuve sur le circuit de Spa-Francorchamps où se déroule le Grand Prix de Belgique.
Hop, c'est parti. Alors, comme vous pouvez voir, en fait, comme c'est des avatars de tout le monde, en fait, toutes les voitures sont vraiment personnalisées. Tout le monde a une voiture différente, en fait, ou quasiment hein, toutes. Personne se ressemble. On a eu toujours l'habitude de voir des voitures jaunes, rouges, bleues, voilà, les couleurs qu'on a eu l'habitude de toujours voir sur les courses. Mais là, en fait, on peut vraiment différencier les voitures des gens. Et je trouve ça très sympa. Vous voyez, les deux voitures qui étaient devant moi, elles sont fritées, parce que je sais pas, peut-être que les deux ont l'habitude de friter les autres voitures, et comme j'ai dit, la console Xbox One enregistre les comportements sur la route de vous, en fait, du pilote. Et donc, si vous jouez comme un mec qui fonce dans tout, et ben la console va enregistrer... Alors je sais pas si c'est au fur et à mesure que vous jouez, c'est-à-dire tout le temps, ou juste... je vois rien là, c'est bien fait, hein, le système du soleil là, je ne vois rien sur la course, ou presque rien. Je suis un peu ébloui. Donc voilà, je ne sais pas comment ça prend trop en compte, si vous jouez beaucoup, la console va vraiment améliorer votre avatar. Excuse-moi voiture, je suis désolé, c'est pas du tout mon genre de taper comme ça dans les voitures, excuse-moi. On va éviter de casser tout le monde là parce que ça se frite à moitié. Hein. Il me colle au mur, lui. Sérieux. Ah, il va me faire renverser. Je sais pas si vous voyez, c'est un truc. Je viens de voir ça tout de suite en fait. Si vous voyez dans le pare-brise. On voit les gants du contrôleur. Et je trouve que ce petit truc, ce petit... je trouve ça sympatoche. C'est un petit détail. Mais je trouve ça vraiment sympa. Ah, ça c'est le passage où je vois rien.
Ça me tape derrière là. C'est. Ça me tape là. Ouh, ça doit être lui qui me tapait là. Jean Manchek. Non, j'hallucine. Jean Manchek. C'est un pote à moi. C'est un pote à moi, Jean Manchek. Enfin, c'est un pote à moi. C'est un mec que j'ai connu il y a. À l'époque de. Comment dire. Il y a 3 ans, je crois. En fait, j'ai fait le tournoi de France de Forza, Forza 4. Et en fait, on était, on s'est connus comme ça. Et là, je vois sa voiture. Et c'est comme je vous disais tout à l'heure, et ben, on peut voir nos potes et tout. Et c'est un très très bon joueur, mon chèque. Et à l'origine, je pense, il me tape dans la voiture, mais à l'origine, c'est pas quelqu'un qui tape. Qui tape les joueurs, enfin qui tape les. C'est lui qui me tape. C'est sa voiture à côté. Jean Manchek. Mais mort de rien. J'ai battu Jean Manchek. En tout cas, enfin, je sais pas si tu verras ma vidéo, Jean Manchek, mais je te souhaite un coucou. Je te dis bonjour. Hein. Et au plaisir de te revoir sur les courses. Voilà, voilà. Donc, eh bien, voici, c'était la vidéo de... C'était la vidéo de Forza. Et donc, eh bien, je vous mets la vidéo du replay. Et donc, voilà. Et je vous dis à très, 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 très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Sur ce, eh bien, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien, tout ça. Et je vous dis à très bientôt. Allez, tchuss!